Oh, j'ai arbitré 10 championnats du monde, 20 tournois de Paris, donc j'ai arbitré des gros championnats, championnats d'Europe, voilà. Jean-Jacques Rusca, je suis le président du comité 93 judo qui regroupe 63 clubs sur le département de la Seine-Saint-Denis pour un petit peu moins de 11 000 licenciés. J'ai plusieurs casquettes, je suis directeur adjoint de l'arbitrage français. Donc on forme des arbitres et on forme également des commissaires sportifs qui vont œuvrer sur les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques de 2024, il n'y aura pas de changement particulier, hormis que ça soit à Paris, que c'est chez nous et qu'on essaye, qu'on va faire ce qu'il faut pour que le judo brille et qu'on ait des médailles en Seine-Saint-Denis. À part, bien entendu, le côté sportif, on espère avoir de nombreux licenciés en Seine-Saint-Denis qui pratiquent le judo. Également, beaucoup de relationnels avec les autres fédérations, entre autres sur l'handicap, le sport adapté ou l'handisport, qui va permettre à certains judokas de pouvoir pratiquer. Le judo est une discipline qui permet de faire travailler les handis avec des valides. Et c'est notre objectif. Dans les deux sens, les valides apprennent des handis et les handis apprennent des valides. Donc c'est une très bonne chose pour notre discipline. J'aime pas mettre de barrière sur le nombre de médailles, mais enfin bon, pour la Seine-Saint-Denis, si on arrive à obtenir deux ou trois médailles, ce serait très très bien pour nous.